Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Chers amis, nous entrons dans le centre traumatologique. Le service traumatologie, pardon. J'ai bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Bonjour. Est-ce que c'est là que serait mon bureau peut-être? Je sais pas du tout à quel... Manger. Je la mange, je sais pas pourquoi. Ça j'ai reconnu. C'est un fantôme. Ah non, c'est pas simplement un fantôme. Tu veux bien? Putain! Ok. Ok, c'est de la sale bête, pourquoi pas. Je peux pas le tuer! Je peux pas le tuer! Ce que je vais faire. Alors papa. Déployer. Ah mais c'est bon, je peux pas le tuer, il va me tuer, voilà. Je peux pas le tuer. J'ai pas ce qu'il faut pour le tuer, apparemment. Aucun signe de vie, tu crois? Ok, bon, ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Ok, donc je vais plutôt monter, aller voir si je peux atteindre mon bureau, hein. Bon ok, il y en a un là encore. Je veux y aller! D'accord, c'est la tourelle qui s'est activée. Bianca Goodwin, Bianca! Bianca, Bianca, Bianca! Service trauma, je l'avais déjà! Ce qui, je l'admets, vu que t'as envie que j'y aille absolument, apparemment, m'emmerde un peu. Ok. Ok, 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 ok. Ouh. Paris, c'est gentil de penser à nous. Enfin, mais j'ai de déménager les caisses récentes dans mon nouveau bureau du département Neuromode dès que possible. D'accord. D'accord, c'est lui, bel ami. Ok, pourquoi pas. Salut, Sylvain, je vous confie mon cerveau, vous bossez bien et j'espère que ça continuera. Écoutez, s'il était... D'accord, ok. Conscience, oui, si tu veux, vas-y. Haut-parleur utilisé. J'aurais peut-être pas dû. Coupe-toi, ça vaut mieux, merci. Scan de la cible, aucun matériel alien détecté. Merci, je suppose. Version 0.7.6. Reconnaissance vocale activée. D'accord. Oh my god, hot boss. D'accord. Oui, mais pour l'instant, je vais juste rentrer dans mon propre... Non, je vais voir ma secrétaire, code d'accès changé. 0451, effectivement. Merci. Il est au courant de tout, cet homme. J'aime pas ça. Je regarde si le son est bien à fond. Ok, donne-moi des cosmos. Merci. Soyons fous. 0451. En question. Non, non, attends, attends, question. Oh, putain. Voilà. Ouh, mon bureau. Au revoir. C'est ici que vous avez vécu les trois dernières années. Dac. Oui, alors attends, avant de voir ça, j'ai envie de visiter un petit peu mon...
Ok, vas-y. Voilà. Crac, merci. Répétez. Ok, merci. Ressort rouillé, pieds détachés, fil dénudé, plan de fabrication. Carte d'accès suite de Morgane. Là, regardez, circuit imprimé grillé. J'ai plein de trucs ici. J'ai plein de trucs. Je vais en profiter un petit peu. Je suis désolé, j'en profite un petit peu, chers amis. Crac. Fais péter ! Merci. Crac. D'opérateur, d'accord. Lancer. Clé à griffe. Mais j'en ai déjà une. Je l'ai déjà. Non, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas de la construire. Je l'ai déjà dans les mains. C'est inutile. Trop loin, trop vite. Qu'est-ce que tu le dis? Peut-être qu'il faut que je regarde les plans avant. Je sais pas. J'ai vu que j'avais reçu des plans. On va regarder. Merde à la fin. Des plans. Cookies spiralés. Non, c'est pas ça que je cherche. Trier automatiquement. Voilà. Crac. Bon, j'ai rien qui ressemble à des plans, cela dit. Tant pis. Cucu, la pomme. Je t'ai vu. Oh, un coffre. Plan de fabrication de munitions pour canon glu. Ouh. Modificateur d'armes. Ouh. Ça, ça s'améliore. Portée, puissance, vitesse de recharge. Ouais, ça m'intéresse pas. Là, par contre. Mais je crois que j'ai pas pouvoir parce que j'ai pas le fameux niveau d'amélioration de machin. On va voir, mais. Comment je fais? Ah non, c'est pour l'équiper, je dois me tromper le bouton, c'est ça, non? Menu, voilà, c'est ça. Ah merde, je me trompe encore! Tu vas y arriver, Marcus. R. Améliorer. Je peux pas l'améliorer parce que j'ai pas le fameux niveau. Ok. Donc pour l'instant, je sauvegarde ce truc-là. Ok. Neuromode. 3. Ouh! Alors du coup, téléconférence, je prends. C'est ça, non? Casier. Ouh! Le margrave, d'accord. Je me margrave, j'imagine. Trois autres neuromodes. Je prends. Anti-recycleur, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Anti-recycleur, c'est pression spéciale. Aux charges recyclantes. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Installer la puce, hein. C'est comme si, ouais, tu n'as rien, donc fais quelque chose. Une cartouche de fusil à pompe, ça me plaît, ça. C'est combien j'en ai, des cartouches de fusil à pompe, là? 4 dedans, c'est ça? 4 sur 16. D'accord, tout est sur l'arme, regardez. Ok. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple... Ok. Et donc tu me sors une balle? 12, d'accord. Okay. Bon, on commence avec ça. Et on verra bien. Ok. Bon, ça se passe pas si mal. Franchement, on a plein de neuromodes. On regarde les neuromodes. Ok. Neuromode, pardon. Excusez-moi. Piratage 2, ça pourrait être intéressant. C'est quoi ça? Nécropsie, récupérer plus d'organes d'importance. Ouais. Ouh. Ouh. Ok. D'accord.
Clairement, ça va être une nécessité, ce truc-là. Ingénieur, qu'est-ce que j'ai là? Ça pourrait être intéressant. Ça me prend 4 points. C'est beaucoup trop par rapport à ce que je souhaiterais. Ça pourrait être intéressant aussi. Sécurité, tireur, revitalisation, revitalisation. J'aimerais un truc qui permet de me regagner de la santé sur le temps. C'est pas, j'imagine que ça va être un peu trop facile. C'est intéressant ça aussi. Ok, on a plein de choses intéressantes, chers amis. Il va falloir qu'on fasse un choix, on n'a que 6 neuromodes. Quand je vois que je peux réparer des objets défensifs, je ne rechigne pas à le faire. Quand je vois le peu de PV que j'ai aussi, je peux me permettre de faire ça. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Note. Ok. Paradoxe. On y est. Utilitaire. Morgane, regardez-moi. Bonjour Morgane, ce vidéo-miroir devrait éclaircir les choses. Vérifiez que personne n'est à proximité avant de la lancer. Passez la vidéo sur l'écran principal. Ok. Oh, d'accord. Bureau avec vue, effectivement, oui. Salut Morgan, dure journée. Oh hein? Putain. Sûrement si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolé, mais c'est permanent. Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur. 51-50, ok. Toi et moi. 51-50, 51-50, 51-50. Oublié. D'accord. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les typhoons. On a calqué le schéma neuronal sur les nôtres. D'accord. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire. Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que tu as oublié. Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. D'accord. Quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. D'accord. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. Ton frère, ok, c'est cool. La question cool. est, pourquoi? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Gros comme un camion. Je sais pas si j'aurais dû attendre. Je pensais avoir trouvé toutes ces foutues vidéos. Désolé, je ne peux pas te laisser regarder ça. Pas tant que je ne t'aurais pas tout expliqué en personne. Ah, apparemment. Pense, je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, s'il te plaît. Apparemment, ce n'était pas que de ma faute. C'est intéressant. C'est pas parce que j'ai brisé la chose que. Ouais, il va falloir que je sorte. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Et pas que apparemment. Je vous suggère de fouiller l'atelier du docteur Calvino dans les laboratoires techniques. C'est lui qui a inventé le miroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions au serveur. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Ok, est-ce que je peux sortir, s'il te plaît? Merci. Donc, avant, chers amis. Putain! Ok. Donc, 1, ils sont de retour. 2, il faut que je reparte de là d'où je viens, c'est-à-dire descendre d'ici. Descendre d'ici. Et aller récupérer les trucs qu'il y avait dans le coffre. Apparemment, le fantôme a pas ripop. Donc je peux peut-être considérer qu'il n'y aura pas de ripop. Une fois que j'aurai buté certains ennemis, ils ne réapparaîtront pas. Ce qui peut être à la fois une bonne chose et une mauvaise chose pour ceux qui connaissent un petit peu le gameplay du jeu. Qui ont pu voir quelques images de gameplay et qui comprennent ce qui risque de se passer par la suite. Bon,
On s'en sort pas si mal. On se rend compte qu'il y a des ennemis qui sont extrêmement puissants. Trop puissants. Beaucoup trop puissants. Et il faut qu'on arrive à gérer cette histoire. Je pense que replacer la tourelle là où elle est censée être placée, ça peut être une très très bonne idée. Voire aller chercher la tourelle du... Alors, on a plein de choses à faire. Du coup, on peut réparer. Ceci. Je le fais. Utilité, je ne sais pas. Les ascenseurs. Ok, donc c'était pas... C'était du gaspillage. Compte tenu de ce qu'on avait fait, c'était du gaspillage. Ok. Le coffre. Où est-ce qu'il était le coffre déjà? Je ne sais plus. Là-bas. Ok. 51-50. J'espère qu'il va me l'afficher. Il ne l'afficherait même pas, vous voyez. Donc c'est vraiment un truc... Ouh. Fabrication d'hypopsie. Je sais pas ce que c'est. Hypopsie. Matériel exotique. Anti-choc 21 GHz. Choc psy. J'ai pas les. Vous voyez, le truc d'armure suffisant. Donc je ne peux pas l'utiliser. Il n'y a aucun emplacement disponible. Ok. Alors. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Restore du psy. Ok, je comprends. Why not? Ok, donc ça c'est bon. On a fait tout ce qu'on a... On a fait tout ce qu'on avait à faire là-dedans. On peut se barrer. C'est pas par là. D'accord. Et en plus, il y avait des portes secrètes dans mon truc. Ok, pourquoi pas. Je sais plus c'est par où. Je sais plus. Je me suis paumé. Pas par là, apparemment. Merde ! Sinon, j'ai parti dans la bonne direction. Du coup, regardez, je servais littéralement de test. Hein. Question. Vu que ça me pète les couilles d'entendre ça tout le temps. Bouh. Ok, cassons-nous. Il y a un écran derrière là-bas. Là. Est-ce qu'il y a autre chose que des écrans? Rien ici. Attends bien, parce que si on a finalisé cette région-là, on n'y reviendra plus. Sauf histoire. Bon, bonne explosive. Là, je peux les faire péter maintenant. Là, je peux peut-être me venger de l'autre saloperie. Le machin de flamme, là. Ok. Ça, c'est les testing rooms. Donc, j'ai pas bougé. Ah, ça y est, c'est là. Ok. J'ai fini par trouver. Cool. Retour, donc. Retour. Là-bas, c'est un cul-de-sac, si je me souviens bien. Allez! Hop, c'est bon. Ok. Ok. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Ça m'emmène au même endroit, donc c'est pas différent, finalement. Ok. Question, est-ce que j'ai récupéré un code pour ici? Oula! Entrer le code, ça va être compliqué. J'ai oublié cette histoire. Ça c'est quoi le code? Je ne l'ai pas. Niveau 2. Niveau 2 piratage, j'aurais pu le prendre. Mais je ne l'ai pas. Moi j'ai le niveau 2 en réparation, me semble-t-il.
Niveau 2, c'est bien dommage. Donc on devra revenir en fait finalement, j'ai rien dit, autant pour moi. On devra revenir. Ok, on se barre. On se barre. Ah là là, il y a plein de choses à faire, hein, vous avez vu, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment très très bon comme jeu là pour le coup. Là je m'éclate, me dire que je vais en tourner que 3, ça n'est pas simple. Allez, la suite. Je regarde pas du tout le temps qui... Putain. Dès qu'il y a un truc qui bouge, je stresse maintenant. Crac. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller voir l'autre trou du cul? Est-ce qu'on place les tourelles? Non. Je fais une sauvegarde normale. Ok, le jeu me dit que j'avais pas de sauvegarde avant, c'est rassurant. Allons-y. Ok, ils font très très mal. Ils font très très mal. Pourquoi pas? Je ne peux pas. Grosso modo, je ne peux pas. Qui parlait là, on est d'accord. Wow. Comment ça se fait que j'ai pris extrêmement cher? Merde, c'est pas ce que je veux faire. Hop, voilà. Ok, ça c'est de la sale bête. C'est clairement de la sale bête. Qu'est-ce que t'étais, toi? Putain, la quantité de trucs qui m'a chopé. La vache. No smoking, d'accord. Déchets organiques dangereux, pourquoi pas. Biologique dangereux, pardon. Ok, désolé pour toi. C'est véritablement de la sale bête. Chris Will. Trop de choses là-dedans pour que ce soit. Ouais, s'il te plaît, par pitié, je t'en supplie à genoux. Qu'est-ce que tu pourrais réparer l'inventaire médical qui trône sur ton bureau? D'accord. Alerte système, réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me heal? C'est déjà fait. Diagnostic en cours. Aucun traumatisme ou maladie détecté. J'ai bien peur de ne pas vous être utile, à moins que vous ne vouliez une anecdote médicale. Oh! Je t'écoute? Pas de blague. Ok, tant pis. Inventaire. Qu'est-ce qui me permet de réparer mes trucs déjà habituellement? Balle de 9 mm, c'est pas ça. Blini russe, ça c'est le kit de secours. Ça c'est un kit de réparation. Voilà. Crac, je suis sur le point de le perdre en fait, tout simplement. Ok. Il va pas réparer ce truc. Ressort rouillé. En tout cas, on a récupéré plein de compos. Et ça, franchement, c'est cool. Pourquoi j'ai l'impression que tu marches que quand je suis pas devant? Connard. Bref.
J'ai une carte. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Retour. D'accord, là il y a un bonhomme qui est vivant. Aucun signe de vie, radio-le. D'accord, c'est... D'accord, ok. Donc il y a des gens que je peux... aller chercher, faut que je cherche cette chose-là. Support de vie. Putain, d'accord, en fait c'est tous les gens. Je peux chercher si je veux tous les gens du... Ok. J'ai un bracelet électronique. Thanos. Notre conseiller titulaire, le docteur Cole, conseille à quiconque ayant des troubles du sommeil ou éprouvant du stress et de l'anxiété de prendre rendez-vous au service traumatologie. Merde. Qu'est-ce que c'est? Peau de banane. Ah merde, je suis full de chez full. Ok, on ressort. Je suis full donc je sors. Pourquoi? Parce que je vais aller en fait... Vous savez où? Au cas où. Ah merde. C'était censé être où? C'est censé être où le gros la grosse bestiole? Restroom? Non, c'est pas là. Merde, enfin pas la bestiole, mais vous savez la... La grosse machine, ça doit être là. Le recycleur. J'y ai accès maintenant. Non? Ah non, je croyais. C'est ici que j'ai acheté. Non. Bah merde, je sais que j'ai... Je vais arrêter vos conneries, je sais bien ce que j'ai vu encore. Merde. Je dis bien ce que j'ai vu, merde. Non. Non, d'ailleurs j'avais pas vu ça. Ok. Où tu es, sale bête? Tu es là. Nom de Dieu. Aucune carte d'accès correspondante, d'accord. Voilà qui répond à la question. Là, ça ne se démarre pas. Ça, ce sont des pièces détachées. Ok, d'accord. Je commence à comprendre en fait. Si je ne peux pas passer, il y a une raison. Il y a une bébête pas loin. Je suis pas le seul à l'entendre, mais d'accord, il y a une bébête pas loin. Putain, c'est là que j'ai accès. Non? Non. Merde. Ah bah c'était là! Je pense que c'était bien plus proche que je pensais en fait. Placer les objets. Oui, bah placer tout le rebut, voilà. Voilà, voilà, trier. Eh, je suis quand même full de chez full de chez full, hein, je peux pas dire, mais... Et après, je vais me plaindre. Hein. Hop, parfait. Je peux passer par au-dessus ou n'importe quoi. Gagner du temps. Non, bon bah j'ai passé par là. Bon. On y retourne les filles. Je prends la pomme, que j'avais oublié de prendre. Les cosmos, je vais les laisser, c'est pas grave. Aucune carte ici. Patient immédiatement, d'accord. Et apparemment, il y a un patient aussi. C'est... Oh putain. Est-ce qu'il est vivant? Le bruit blanc. Oh. À cause de taches symptomatiques ressemblant dans les yeux des victimes, c'est bien plus qu'une simple pathologie. C'est... Ah bon, c'est pas ça que je pensais.
Le bruit blanc, normalement, c'est... Enfin, c'est autre chose. Ça fait partie de l'ASMR. Bref. Oh, plan de fabrication de kit de soins. Ça, c'est cool. J'ai besoin de boire un coup. C'est Garfield Langry que j'ai... Distributeur d'opérateurs. Et alors ? Demande de nouvel opérateur. Et donc ? Bonjour, content de vous voir. 490. Diagnostic en cours. Aucun traumatisme ou maladie détectée. J'ai bien peur de ne pas vous être utile. À moins que vous ne vouliez une anecdote médicale. Fil dénudé. Pied détaché. Neuromode. Neuromode, neuromode, neuromode. Ça, je prends. Ils m'en fait que un, donc ça va pas être suffisant pour faire quoi que ce soit d'intéressant, j'imagine. Parce que là, là, ce qu'il nous faudrait, du coup, ce serait le... Ça. Le rang 2. Et bon, ça vaut 4. 6 et 8. Waouh. Catastrophe. Ok. Ça a pas l'air d'être la forme, effectivement. Ouais, quand je vois ces stats, ça a pas l'air d'être, d'être épique de la mort qui tue. Bref, bonjour. Quarantaine. Pourquoi j'aurais envie d'aller en quarantaine ? Hypopsie. Ok. 3 points de vie, même si je suis full, je sais. Hein. Trevor G. Young, sous contrôle typhon. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Poche de plasma. Je prends. Popsy, je prends. Pudding, je prends. Note. Dénoté par Noël, difficile de déterminer si c'est dû à l'accident ou à la récente ablation de neuromode. Observation constante recommandée. Mathias, d'accord, ok. Effectivement, ça n'a pas. Ramène. Il faut que je reste à 2 mètres de la glace. Coucou. 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 Ok. Le code de quarantaine, il est quoi ? C'est quoi ? Ça doit pas être affiché. Ça doit être affiché pas très loin, hein. Clairement. Ça doit pas être très très loin. Ah, enfin, c'est faux le truc 2. Et si, tout simplement, je... Ça empire, j'ai l'impression. La musique fait genre ça empire. Apparemment, non. Bon, bah, j'ai pas le code. Ce qui, je l'admets, m'emmerde assez. Et du coup, j'imagine que le code, il faut que je le trouve via le mot de passe de cette fille-là. Et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire? Oh. Non, je les ai pris, désolé. Tu ne le feras pas. Hypopsie x2. Plasma, pourquoi pas. Okay. Bienvenue, puis-je vous aider? Mais lui n'a pas de courant. Oh là 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 là, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un truc de cassé quelque part en termes de courant? Peut-être ça qu'il faut que je regarde. Ça va être là-dedans et j'ai pas la clé, c'est ça? Sans doute. Il y a quelqu'un ici, regardez. Je l'ai déjà vu. Non, je l'ai pas vu. Ok, bah maintenant je l'ai vu. Et là, j'ai pas la clé non plus. J'ai pas les clés. J'ai pas les clés, j'ai pas les clés, j'ai pas les clés. Bienvenue, puis-je vous aider? Ok, et je peux pas du tout l'ouvrir. Parce que je sais bien que j'ai pas les notes, tout ça, mais... Mais quand même, il y a des limites à la connerie, non? Pauvre homme. Bon bah apparemment non.
pensais que si je m'approchais suffisamment de la glace. Vous savez qu'il allait, comme c'est marqué, ne rester à plus de 2 mètres de la glace. Attendez à ce qu'il réagisse, mais apparemment il réagit pas du tout. Donc tant pis pour lui, hein. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous ? Ok. Je suis un peu déçu de pas pouvoir y arriver. J'ai l'impression de pas être assez intelligent. Donc ça m'emmerde. Ok. Équipage, ouais, d'accord, ça je m'en rappelle. Ok, pourquoi pas. Bon bah tant pis. Là, je peux pas sortir ni rentrer. Et apparemment, je ne pourrais jamais le faire de cet endroit-là, en fait, techniquement. Ok, bon. Et donc. Ici, est-ce que j'ai la clé ? Oui, combat, base. Tirez à profit de votre mémoire et de vos outils de combat. Si l'affronter l'ennemi tête baissée, vous emprunterez d'autres chemins afin de vous faufiler derrière votre adversaire ou pour les surprendre. Si l'affrontement vous semble inévitable, servez-vous d'outils comme le canon glu pour les modifier l'ennemi et augmenter vos chances de survie. C'est vrai, tu crois ? Le simple fait que tu m'en parles maintenant, voilà. Ah, ils sont deux. Voilà. J'aurais jamais cru qu'ils étaient deux. Wow! Tu veux pas venir voir papa? Tellement de chaises! Non. Ok. Meurs. T'es pas très violent toi par contre. Pff. Tu crois que je t'ai pas vu ? Il fait vraiment pas de bruit hein. Je suis assez impressionné à vrai dire. Ok. Ça bouge encore même quand c'est mort, saloperie. Oh! Ok. Pourquoi pas? Peau de banane, je prends. Avant d'aller plus loin dans le truc, je préfère aller explorer un peu la zone. Sale division. Ok, il y en a! Ok, j'ai gaspillé énormément. Ok. Putain, sale bête. Tu veux te la mettre? Tu veux te la mettre? Tiens, vas-y, bouffe. Tu l'aimes ma grosse clé à molette? Ah, la gueule. Ouh. Arbalétrière. C'est quoi ce truc? Pas sérieux avec ce genre d'arme. Aucun dégât. Réputé pour sa capacité à taper sur rien de ses collègues, distraire les ennemis, activer les interrupteurs et écran tactile à distance. Wow, voilà. Gardez l'œil ouvert. Attendez. Retirez les hormones sans conteneur scellé sous vide. Appuyez fermement sur le... La coupe oculaire à caoutchouté contre la cavité osseuse de l'orbite. Gardez l'œil ouvert, abaissez le levier de décharge orange et continuez à maintenir le neuromode contre l'œil pendant 5 minutes. D'accord, donc ne pas prendre un neuromode trop vite. Ok, donc là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Hop, j'ai plus suffisamment de place. Donc, je dois pallier via ce système. Ok, bon, on y est. Tant qu'on y est, on y reste. Une seule chaise. Neuromode 4, ça vaut le coup de fouiller. Dossier de vente. Ok, si tu le dis. Email.
Exportation, on a déjà des... On a remarqué. Un mois de salaire et je l'ai fait disparaître. Ouh, il y avait du chantage dans la boîte. Oh, pour Neuromod. Hop, on en a donc 5 au total. Je peux donc me permettre... c'est tentant. C'est vraiment tentant. Mais je me permets un piratage 2. En espérant que ça rendra les piratages 1 aussi plus simples. J'ai déjà vu. Ok, cool. Ok. Une seule chaise. La vie à Transtar, d'accord. Ou deux Transtar, je ne sais pas. J'ai pas trop regardé. Essaye de m'assurer que... Que je sois tranquille avant de continuer. Ok. Trop de chaises ici encore. L'ascenseur spatial. Ok, oui, tu le dis. Bon, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. J'ai plus de place. Voilà, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Ok. On en est où dans les pièces? Je regarde juste, on est dans les pièces, chers amis. À l'instant. On est à 41 minutes. Ah là 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 là, je vais devoir m'arrêter là. Si je veux garder des sessions normales. Bah écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là, je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez le principe. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine pour entrer dans l'atelier du docteur Calvino. Voilà. Salut les gens!